prochain, les 100 ans de la fin de la guerre. On a déjà commencé à en parler, ça fait... Il y a eu plusieurs occasions, même ici en Institut. Mais ce soir, c'est un peu une occasion particulière. À la fois, cette exposition, c'est un hommage à Piero Melograni, à son travail d'historien, et évidemment, comme son grand livre, Storia politica della Grande Guerra, a été un livre majeur dans l'historiographie qui aborde la Première Guerre mondiale. Donc évidemment, c'est aussi une occasion pour retourner, réfléchir sur la Première Guerre mondiale. Donc, mais je voulais tout de suite donner la parole à Paola Cedrini Melograni pour nous dire un peu comment est née cette exposition et voilà, quel est l'esprit qu'il a porté. Per me è molto importante questa terza tappa del viaggio di come si scrive un libro di storia che abbiamo costruito intorno alla figura di Piero Melograni. Alors pour moi c'est très important cette troisième étape de voyage de comment on écrit un livre d'histoire que nous avons construit autour de l'œuvre de Piero Melograni et je vous remercie d'être là ce soir. Questo appuntamento arriva vicino ad un importante evento che si è svolto il 30 ottobre scorso alla presenza del Presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella all'Accademia dei Lincei, che ha ricordato tutto il lavoro di Piero Melograni a 5 anni dalla morte. Un lavoro che tocca vari argomenti, vari settori, vari temi, dalla storia, noi oggi lo vediamo come storico, alla politica, è stato parlamentare italiano, e all'Europa. E questo mi fa molto piacere dirlo questa sera perché Piero Melograni è stato tra i 60 redattori della Carta dei diritti europea. Alors, cet événement donc, fait suite à un événement très important qui a eu lieu le 30 octobre en présence du président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui a rappelé pour le 5e anniversaire donc, de la mort de Piero Melograni différents sujets importants, différents secteurs, différents thèmes liés à sa personnalité, à savoir en tant qu'historien, bien sûr, c'est ce pourquoi nous sommes là ce soir, mais aussi comme homme politique, puisqu'il a été parlementaire, mais enfin aussi pour son rôle dans l'Europe, puisqu'il était parmi les 60 rédacteurs de la Charte des droits européens. Ed eccoci al motivo della riunione di questa sera e del lavoro preparatorio per la storia politica della Grande Guerra. L'obiettivo di Melograni era spiegare ai giovani. Per questo motivo noi abbiamo deciso di raccontare ai ragazzi italiani e non di tanti paesi dove andremo con questa mostra, questa è la prima sede all'estero, noi siamo già stati alla Camera dei Deputati e al Salone del Libro di Torino, abbiamo deciso di spiegare come si scrive un libro di storia e perché si scrive un libro di storia. Alors maintenant on va en venir véritablement à la raison de cette soirée, c'est-à-dire au travail préparatoire donc, de cette œuvre qui a été l'histoire politique de la Grande Guerre. Le travail de Piero Melograni était toujours d'expliquer aux jeunes ce qui s'était produit et donc nous voulons aller dans cette direction-là. C'est une exposition qui arrive dans un pays étranger pour la première fois. Elle a déjà été présentée à la Chambre des députés au Salon du Livre. Et notre but est d'expliquer comment on écrit un livre d'histoire. Les ragazzi italiani sono meno fortunati dei ragazzi francesi perché conoscono le loro radici, la loro storia, solo perché vivono in posti meravigliosi, in luoghi meravigliosi, ma non vanno abbastanza indietro con il tempo, non studiano abbastanza. Les jeunes italiens sont moins de chance que les jeunes français parce qu'ils connaissent l'histoire de leur pays simplement parce qu'ils vivent dans des lieux merveilleux, très riches, mais ils n'ont pas la chance d'aller en arrière, d'aller dans le passé comme le font les jeunes français d'étudier ce passé. Conoscere le proprie radici è determinante
per poter costruire l'esistenza, la personalità, il futuro. Connaître ses propres racines, c'est extrêmement important pour connaître son existence, sa personnalité, son futur. Et quindi cominciare a studiare come la storia politica della Grande Guerra cambia il modo di fare storia in Italia e nel mondo è un'occasione importantissima. Donc comprendre comment connaître l'histoire politique de la Grande Guerre est une manière de comprendre la place de l'Italie dans le monde est une grande chance. I due professori vi spiegheranno perché questo libro è stato rivoluzionario e perché dal 69 ad oggi continua ad essere ristampato e a non perdere la sua attualità e la sua forza. I due professori spiegheranno perché questo libro è stato rivoluzionario e perché dal 1969, quindi la sua prima impressione, non ha cessato di essere imprimato e qual è la sua attualità oggi e la sua forza. Voi lo potrete vedere dal materiale esposto, che va dalle veline di guerra che condannano i disertori, fino all'enorme mole di cartoline, ricordava il professor Sabatucci, più di un miliardo di cartoline, che dal 15 al 18 vengono spedite in tutta Europa. Donc vous allez pouvoir voir quelques matériels, d'abord des papiers qui condamnent les déserteurs jusqu'à ces cartes postales. Le professeur Sabatucci rappelait qu'il y en avait eu 1 milliard qui avaient été envoyés pendant la Première Guerre mondiale de ces cartes postales. La nascita dei movimenti culturali, molto vicini tra Italia e Francia, ci sono delle prime edizioni di libri futuristi. La naissance des mouvements culturels qui sont, où il y a une grande perméabilité entre la France et l'Italie et par exemple les premières éditions des livres futuristes. Il rapporto tra gli intellettuali interventisti, D'Annunzio e Toscanini, allora. Les rapports entre les intellectuels qui voulaient l'intervention en guerre, dans la guerre, par exemple Toscanini ou D'Annunzio. E la crescita dei partiti della sinistra. Voi troverete documenti, tessere, disegni. Vous allez voir aussi la croissance des partis de gauche, vous trouverez des cartes, des documents, des dessins. Et quello che succederà poi, perché è dalla prima guerra mondiale, dalla grande guerra, che poi si sviluppano tanti movimenti che porteranno a una tragedia ancora più grande, al nazismo e al comunismo. Et donc vous allez voir aussi en fait tout ce qui va se passer après, c'est-à-dire à partir de cette guerre, tout ce mouvement qui va mener à une tragédie encore plus grande, qui est celle du nazisme et celle du communisme. Et nella selezione che ha fatto il direttore Gambaro, che nasce l'emancipazione femminile. Per questo motivo Nicoletta Di Benedetto ha scelto 3 abiti. Uno delle donne povere, 2 delle donne di classi più agiate. Et donc vous allez voir aussi tout ce qui a changé, tout ce qu'il y a dans cette exposition, c'est-à-dire vous allez trouver des habits de soldats, mais aussi des habits de femmes, puisque c'est de la Première Guerre mondiale que naît l'émancipation des femmes, et Nicolas Di Benedetto a choisi 3 robes, 3 costumes de femmes, une d'une femme pauvre et 2 de femmes plus aisées. Tutti questi elementi ci permettono di conoscere la storia e lo sviluppo del libro e soprattutto quello che poi sarebbe diventato Piero Melograni, uno dei più grandi storici del Novecento, che avrebbe continuato il suo percorso lavorando sul comunismo e sul fascismo con una serie di libri indimenticabili come l'intervista sull'antifascismo a Giorgio Amendola che è tradotta dal russo al giapponese, un po' in tutte le lingue del mondo. Tous ces éléments vont vous permettre de connaître d'abord l'histoire, le développement de ce livre, mais aussi ce qui va devenir par la suite Pietro Melograni, c'est-à-dire un des plus grands historiens du XXe siècle, qui a travaillé à la fois sur le communisme et le fascisme avec une série de livres, notamment son interview sur le fascisme de Giorgio Amendola, qui a été traduit dans de nombreuses langues, du russe jusqu'au japonais. Dall'altra parte, il mito della rivoluzione mondiale, che è presente in Russia, per esempio, tradotto in Russia, fino ad arrivare alla sua grande passione,
che è stata la musica, con le biografie di Toscanini e di Mozart. Et donc aussi de l'autre, donc le mythe de la Révolution mondiale qui a été aussi traduit en russe et pour arriver jusqu'à sa grande passion qui était la musique et ses biographies notamment de Toscanini et de Mozart. Ed ora chiudo il mio breve discorso su Melograni perché il mio primo motivo è che io l'ho amato Melograni, è stato mio marito, quindi per questo è per me importantissimo tener viva la sua memoria, con un solo rammarico. Je finis là mon discours parce que j'aborde cet homme que j'ai aimé, qui était mon mari, et c'est pour moi très important effectivement de garder vive sa mémoire, et avec un seul regret. I suoi libri sono tradotti in tutte le lingue, ma proprio in tutte, meno che in francese. E quindi, dopo questo incontro, io spero che il Toscanini, che esce rinnovato il 5 dicembre, troverà magari fra qualche vostro amico un editore francese che lo possa tradurre. E c'è che ces livres qui ont été traduits dans toutes les langues, vraiment toutes les langues, sauf le français. Et j'espère que, notamment, son Toscanini, qui ressortira le 5 décembre, trouvera peut-être parmi quelques éditeurs de vos amis, quelqu'un qui pourra le publier, le faire connaître enfin en français. En attendant la production de Toscanini, on reste sur Storia Politica della Grande Guerra, donc. Je voudrais m'adresser à Giovanni Sabatucci, justement pour que nous dise en quelques mots en quoi ce livre était un livre majeur et pourquoi c'est encore important dans les études qui concernent la Première Guerre mondiale. Ma prima di parlare della storia della Grande Guerra, vorrei dire due parole su Piero Melograni. Molto rapidamente, sono già state dette, si intende. Ho sempre pensato che se qualcuno un giorno volesse fare una mappa della storiografia italiana alla fine del Novecento, secondo Novecento, avrebbe qualche difficoltà a collocare, a classificare la figura di Piero Melograni, che sfugge alle definizioni troppo semplici e ancor più a quelle ideologiche. Alors avant de parler de l'histoire politique de la Grande Guerre, je voudrais dire deux mots sur Piero Melograni, même si chose de genre ont été dites, mais si quelqu'un devait faire une sorte de carte de l'historiographie italienne dans la deuxième partie du XXe siècle, je pense qu'il serait très difficile placer Pietro Melograni, parce que c'est quelqu'un qui échappe un petit peu au modèle préétabli, notamment idéologique. Ma, quando io l'ho conosciuto circa 50 anni fa, Piero era, si considerava, era considerato un liberale. E tale era, e tale rimase. Ma attenzione, non è tanto la sua appartenenza politica, il suo riferimento così politico ideale, a costituire la sua originalità. È piuttosto il modo di fare storia, l'approccio ai problemi storici, alla ricerca storica e alla scrittura storica. Quand j'ai connu donc Piero Melograni il y a à peu près 50 ans, c'était un libéral et il est resté libéral, mais c'est pas tellement ses références politiques qui constituent son originalité, mais plutôt sa manière de faire l'histoire et sa manière surtout de l'écrire. Qual era l'approccio di Piero Melograni, qualsiasi fosse il tema di cui si occupava? Partire da un'idea, mi direte che questo tutti dovrebbero farlo, ma non è sempre così, c'è anche una dimensione erudita della storia, e non era quella di Piero, naturalmente, con tutto il rispetto che si deve agli eruditi. La sua era una storiografia di idee, lui partiva da una tesi, oppure dalla demolizione di un mito, o dalla decostruzione di una tesi. Sempre con questo suo ragionamento molto pacato, molto piano e molto sintetico. Questo era fondamentalmente il suo modo di fare storia. Alors, on pourrait dire qu'il partait d'une idée, vous direz que tous les historiens devraient partir d'une idée, mais ça le différencie des gens qui sont plutôt des érudits. Et évidemment avec tout le respect qu'on doit aux gens qui sont des érudits, mais disons que lui, il voulait vraiment construire une histoire des idées
partir d'un thème qui était à la fois la démolition d'un mythe et la déconstruction d'une thèse, avec cet esprit synthétique qui le caractérisait. Qualche esempio molto rapidamente, anche per non stressare il nostro traduttore. Il suo primo libro, credo, dopo la storia della Grande Guerra, L'industriale Mussolini del 72, c'è una tesi che non è vero che Mussolini fosse una creatura dell'industriale, che gli industriali puntassero tutto su Mussolini. Al contrario, avrebbero preferito avere a che fare con una classe dirigente meno forte e autoritaria, come quella che aveva preceduto il fascismo. Alors, d'abord son premier livre sur les industriels et Mussolini, donc de 72, et ce qui est important, c'est de comprendre, il faisait comprendre qu'effectivement les industriels auraient préféré traiter avec un pouvoir moins autoritaire, qui était comme celui qui avait précédé Mussolini, que de traiter avec les fascistes. Il saggio sui potenti, una delle sue cose più belle, che è stata citata anche qui, e che io invito tutti a leggere. Piccolo ma molto denso, il saggio di potenti spiega che il mito giacobino della presa del potere non ha ragione di esistere, che chi detiene quello che abitualmente noi chiamiamo il potere in realtà detiene spesso qualche cosa di vuoto, un simulacro del potere, perché cambiare la realtà è cosa fuori dalla portata anche dei capi più autoritari e più popolari. Son essai sur les puissants, qui est un petit livre que tout le monde devrait lire, détruit un peu le mythe jacobin du pouvoir, c'est-à-dire que celui qui détient le pouvoir a souvent détient aussi une part de vide, un simulacre de pouvoir, c'est-à-dire que en fait même les personnes qui détiennent le pouvoir n'ont pas la force de changer la réalité. Ci sarebbe da dire molto altro, probabilmente, sempre per fare degli esempi, ma mi fermo qua, ricordo solo appunto il mito della rivoluzione mondiale, altro libro importante è un po' dimenticato. E anche, qui basta citare il titolo, La modernità e i suoi nemici. Si capisce parecchio di ciò che Melograni pensava appunto della modernità, pensava in positivo della modernità, e si capisce anche il titolo ricorda Karl Popper, La società aperta ai suoi nemici, autore molto caro a Piero. Et je ne vais pas aller beaucoup plus avant, je vais simplement citer deux autres livres, Le mythe de la révolution mondiale, qui est un livre un petit peu oublié aujourd'hui, et puis La mort de la modernité et ses ennemis. On comprend par le titre que Pietro Melograni était quelqu'un qui aimait la modernité, qui le voyait de manière positive. Et évidemment, il y a une référence à Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis. Ma non libri solo a tesi. Le tesi erano sempre contenute, in qualche modo sciolte, in una trama narrativa, sempre molto leggibile e molto scorrevole. E qui era forse uno dei suoi pregi maggiori. Alors, ce sont toujours des livres avec des idées, des raisonnements, des livres aux dimensions réduites, contenues, mais ce ne sont pas des livres à thèse. C'est-à-dire que les thèses sont toujours, elles sont diffuses dans une sorte de trame narrative qui les rend extrêmement lisibles, et c'est aussi une des grandes qualités de cet historien. Bene, queste qualità, noi le apprezziamo anche e soprattutto in questo libro di cui stiamo qui oggi a parlare. E di cui fra poco ricorrerà appunto il 50° anniversario dell'uscita, così come il libro doveva probabilmente uscire in occasione del 50° della Grande Guerra. Evidentemente poi è andato un po' fuori con i tempi, anche perché allora non c'era forse questa insistenza un po' eccessiva che c'è oggi sugli anniversari. Alors, c'est bien sûr ces qualités que nous retrouvons dans le livre dont il est question ce soir et dont nous fêterons d'ici peu le 50e anniversaire. Et je rappellerai que probablement ce livre est sorti aussi à l'occasion du 50e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, même si évidemment il est un petit peu plus tardif, peut-être aussi parce qu'à l'époque on n'accordait pas cette importance un peu excessive aux anniversaires tels qu'on les accorde aujourd'hui. Le livre a sicuramente dimensions et structures diverses. Dai libri che ho citato prima.
è una cosa diversa e più impegnativa sicuramente. Ma anche qui, attenzione, non manca un'idea di base, un filo conduttore, una tesi a cui l'autore tiene particolarmente. Di questa vi parlerò fra poco. Alors, ce livre est évidemment de dimension et de structure différente de ceux que j'ai cités précédemment. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il manque, que ce livre n'a pas de fil conducteur, qu'il n'a pas d'idée de base et n'a pas un thème très précis dont je parlerai tout à l'heure. Ecco, bisogna ricordare anche che nel 1969, data di uscita del libro e 51esimo anniversario della fine della guerra, in Italia, stranamente, direi scandalosamente, non c'è un libro di sintesi sulla storia, non della guerra, non sulla storia militare della guerra, sulla storia dell'Italia, del paese durante la Grande Guerra, su come la Grande Guerra abbia cambiato l'Italia e non solo quelli che l'avevano combattuta. Alors il faut rappeler qu'en 1969, donc date de la sortie du livre, à 51 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, il existe des livres d'histoire militaire, mais scandaleusement, étrangement, il n'y a pas de livre véritablement de synthèse qui raconte la vie, pas seulement ceux qui ont été les protagonistes de cette guerre, mais la vie de l'Italie pendant la guerre. Et così arriviamo appunto al 69, alla storia politica. Un'altra premessa devo fare. Il titolo Storia politica della Grande Guerra non è un buon titolo, non rende giustizia al libro, che è un libro in cui si parla anche di storia politica, ma non certo solo di storia politica. Il titolo probabilmente fu messo, penso, dall'editore per dire a chi lo acquistava o lo leggeva che non era un libro di storia militare, come erano stati quasi tutti i libri sulla Grande Guerra usciti fino ad ora. Era un libro che parlava anche d'altro. Alors, je vais faire encore une chose avant de rentrer vraiment sur ce livre, c'est que son titre n'est pas un bon titre, puisqu'il est question bien sûr d'histoire politique, mais pas seulement d'histoire politique, et probablement le titre avait été choisi par l'éditeur pour faire une différence avec dire, voilà, ce livre ne parle pas que d'histoire militaire, comme c'était le cas pour les autres livres qui étaient sortis précédemment sur la Première Guerre mondiale en Italie. Andiamo alla data invece, 1969, oltre ad essere il 51esimo anniversario della fine della Grande Guerra, e anche il 69 viene dopo il 68, abbastanza ovvia, e questo però ha un significato. Si sta affermando nel clima culturale, politico del 68 una storiografia molto militante, molto ideologica, che capovolge quello che era stato un po' il paradigma interpretativo della Grande Guerra in Italia e negli altri paesi vincitori. Cioè, la Grande Guerra era stato un evento tragico sicuramente, però nella storia dei paesi che la guerra avevano combattuta e vinta, perché ovviamente per la Germania o per l'Austria o per l'Ungheria la cosa è diversa, la guerra è un momento di crescita, è un momento importante nella storia dei paesi che l'hanno fatta e che l'hanno vinta. Quindi, non direi tanto il giudizio, ma insomma ciò che è sottinteso al giudizio sulla guerra è che, ripeto, in Italia, in Francia, in Gran Bretagna, è che è stato un evento tutto sommato positivo. Alors, il faut voir donc cette année 69, donc 51 ans après la Première Guerre mondiale, et aussi l'année suivante, c'est évident, de 68. Et donc, on a un climat culturel particulier, comme vous le savez, et ça, avec une historiographie militante, très idéologique, qui est en train de changer les paradigmes de la façon dont on a lu jusque-là la Première Guerre mondiale. Certes un événement tragique, mais aussi du point de vue des vainqueurs, quelque chose qui a amené une croissance. Alors évidemment, on a un regard tout à fait différent si on est allemand, autrichien ou hongrois, mais ce qui est sous-entendu finalement en France, en Grande-Bretagne, en Italie, c'est que finalement c'est un événement plutôt positif. Ecco, già a metà degli anni 60, questo schema interpretativo, questa sorta di interpretazione sottintesa, ecco, più che esplicitata, viene meno, anzi viene capovolta. Prego.
Ce qu'il faut voir, c'est donc déjà à la moitié des années 60, cette interprétation qui est plus sous-entendue qu'explicite est complètement renversée. De la guerra si cominciano a raccontare soprattutto o esclusivamente gli orrori. La guerra è vista come un crimine. Et la guerre commence à être racontée presque exclusivement comme une horreur, et la guerre est vue comme un crime. Quella che viene valorizzata invece è la dimensione del rifiuto della guerra. Et c'est l'altra faccia. Et ce qui est valorisé, c'est la dimension du refus de guerre qui est. Questo avviene non solo in Italia, anzi avviene prima, credo, in Francia almeno. Nel 67 esce un libro di uno studioso che si chiama Pedroncini o Pedroncini, non so. Pedroncini, Le Mutinerie de 1917. Le Mutinerie, gli ammutinamenti. Fu il primo grande studio su quelli che appunto la guerra non la volevano fare, fino al punto in qualche caso, attenzione, casi tutto sommato abbastanza rari rispetto alla totalità dell'impegno della guerra, però si faceva la storia di quelli che la guerra non l'avevano voluta fare e si erano addirittura ribellati alla guerra. Donc c'est quelque chose, cette histoire des refus de guerre qui est apparue peut-être un peu avant en France qu'en Italie, et notamment à partir de 67 avec l'île de Pedroncini qui s'appelle les mutineries de 1917. Alors évidemment, c'est un cas assez rare qu'on aille jusqu'à la désobéissance et la mutinerie, la révolte. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on a commencé à s'intéresser, même si c'était assez rare, à ces questions des révoltés. Ecco, da questo momento, diciamo, seconda metà anni 60, che si prolunga questa fase fino a tutti gli anni 70 poi anche, ecco, la visione della guerra cambia moltissimo. C'è quasi appunto un rovesciamento, soprattutto per la cultura della sinistra, per la cultura progressista. La guerra, la grande guerra, è il luogo di tutti gli orrori e di tutte le sopraffazioni. È la metafora dei misfatti dell'Europa borghese. C'est à partir donc de la deuxième partie des années 60, et ça s'est poursuivi jusque dans les années 70, que la vision donc historiographique de la Première Guerre mondiale a complètement changé, elle s'est même complètement renversée, notamment par la culture de gauche progressiste, et la Grande Guerre est venue donc le lieu de toutes les horreurs et des méfaits de la bourgeoisie. Ecco, di questa radicalizzazione del discorso sulla guerra farà le spese proprio la storia politica di Piero Manbrani, che certo non nascondeva gli orrori della guerra, anzi in qualche caso era il primo libro a denunciarli e a descriverli, a raccontarli. C'è un capitolo sull'ammutinamento della brigata Catanzaro, per dire. Io ricordo quando lo lessi mi fece una certa impressione. Quindi nella storia politica c'è anche questo, però non c'è solo questo. Non è soprattutto un libro di denuncia e in qualche modo, viene accusato di essere un libro di compromesso. Sì. Alors, dans ce discours, ce changement de discours et de paradigme, finalement, le livre qui a le plus payé ce changement de discours, c'est précisément l'histoire politique de la Grande Guerre, non pas parce qu'il cachait les méfaits et les horreurs de la Grande Guerre, il a même été par certains endroits un des premiers livres à en traiter, et je me souviens donc de ce chapitre sur la mutinerie de la brigade Catanzaro qui m'avait beaucoup impressionné. Mais parce qu'il n'a pas été vu comme un livre de dénonciation, ce qu'il n'était pas, mais comme un livre de compromis. Esattamente. In realtà, il libro di Piero era un libro completo, in cui c'era dentro un po' tutto. E uno dei suoi pregi era quello di essere riuscito a inserire in un'unica trama storie, vicende molto diverse fra loro, fonti anche molto diverse fra loro.
Et en réalité, il s'agissait d'un livre complet, en fait, où il y avait un peu tout, et une de ses immenses qualités a été de rassembler dans un seul livre différentes histoires, différentes affaires, on va dire, et surtout des sources extrêmement différentes. Anche qui vorrei fare un piccolo elenco di alcuni temi, lo farò breve, anche perché credo che mi devo avviare verso la conclusione, il tempo scorre, però il mio è doppio, cioè il mio va moltiplicato per due. Se avete accorto nel dare... Va bene, comunque, dicevo alcuni dei temi che sono trattati in modo molto approfondito in questo libro. Il vissuto dei combattenti, non solo la storia dei rapporti fra i generali e i politici, l'inadeguatezza degli armamenti, le nuove concezioni della guerra, ma anche appunto il vissuto, l'adattamento del soldato alla guerra o il mancato adattamento del soldato alla guerra. La spersonalizzazione del soldato che sta in trincea, che si costituisce una sua realtà fittizia, che crede a cose a cui non si dovrebbe credere, le fausse nouvelles di cui parlava Bloch, che sarebbero le fake news, ma non sono le fake news, sono una cosa un po' diversa. Insomma, questi aspetti della psicologia del combattente. Alors, je voudrais faire une petite liste de quelques thèmes qui sont importants dans le livre de Pietro Mellobaini. Par exemple, le vécu des combattants, et pas simplement, comme on le traitait auparavant, les rapports entre les généraux et les politiques, l'adaptation des armes nouvelles de la Première Guerre mondiale, les conceptions de la guerre qui changent, mais l'adaptation des soldats, ou leur inadaptation, la dépersonnalisation de la vie dans les tranchées, ce à quoi il croyait, qu'il ne devait pas croire, les fausses nouvelles, hein, on pourrait dire que c'est presque des fake news, même si c'est pas tout à fait ça, fausses nouvelles donc reprises aussi par Bloch plus tard. Sì, ancora qualche aggiunta a questo elenco. I cappellani militari, le case del soldato, i bordelli di guerra, che anche quelli c'erano. I giornali di trincea, la propaganda, la protesta delle donne lavoratrici, i fatti di Torino nell'agosto del 17, tutti temi che sarebbero stati poi ripresi e approfonditi dalla storiografia successiva, senza per lo più che fosse riconosciuto, se non in qualche piccola nota, il merito di Mellobaini di averli trattati per primo. Alors il y a beaucoup de thèmes qu'on pourrait continuer comme ça, par exemple sur les maisons des soldats, sur les bordels de guerre, sur les journaux de tranchées, sur les protestations des femmes, sur les faits qui se sont passés en août 1917 à Turin, toutes choses qui ont été ensuite reprises par l'historiographie sans forcément qu'on rende hommage à Pietro Mellobaini, sinon dans quelques notes de bas de page, alors qu'il avait été très souvent le premier à les traiter comme historien, à les aborder comme historien. E infine il tema a cui accennavo prima, il tema che è poi il filo conduttore, il tema principale, la tesi centrale del libro, che è il rapporto difficile fra chi stava al fronte e chi restava a casa. E donc ensuite le fil conducteur, le thème central, c'est-à-dire le rapport difficile entre ceux qui étaient dans les tranchées et ceux qui se trouvaient encore dans le monde civil. Ecco, questo riguarda sia la dimensione privata, i rapporti dei combattenti con le loro famiglie, il senso di delusione e di frustrazione che a volte provavano quando, dopo aver tanto desiderato una licenza, arrivavano a casa e scoprivano che la vita continuava e che nessuno aveva la più lontana idea di che cosa fosse la vita in guerra. Par exemple, c'est la dimension privée, le rapport entre les combattants et leur famille et la déception que pouvaient avoir ces combattants quand ils retournaient du front et qu'ils se rendaient compte que personne n'avait la moindre idée de ce qu'ils subissaient en première ligne. Questa è la frattura, diciamo, nel privato, ma poi c'è una frattura sociale, politica, su cui Mellobaini insiste molto. Sì,
Donc ça c'était pour parler du monde privé, mais il y a aussi une rupture qui est d'ordre social et politique et sur laquelle Melograni insiste énormément. È la frattura oggettiva che si crea fra appunto chi sta a combattere in prima linea e chi invece per un motivo o per l'altro non combatteva o combatteva in una posizione meno pericolosa, ma poteva evitare appunto le grandi carneficine. Il problema degli imboscati. Et donc c'est la fracture objective entre ceux qui combattaient en première ligne et ceux qui ne combattaient pas, ou alors qui combattaient dans une position un peu plus protégée, dans le sens où ils échappaient à la grande boucherie, ceux qu'on appelait communément les embusqués. Si crea appunto una conflittualità che secondo Melograni si sovrappone alle divisioni di classe e attraversa la divisione di classe, e che fosse o meno fondata questa differenza così forte fra imboscati e fanti contadini, così si diceva, perché erano soprattutto i contadini che poi andavano in trincea, ma non solo loro naturalmente, indipendentemente dal fatto che fosse fondata o non fondata, divideva il fronte proletario, rendeva impraticabile una rivoluzione sul modello russo. Et donc il se crée une sorte de conflictualité qui est une sorte de division de classe entre les embusqués et les soldats de première ligne, entre ceux qui sont effectivement ces soldats paysans de la première ligne, même si évidemment ce ne sont pas tous des paysans, et fondée ou non, cette division entre embusqués et soldats de première ligne va rendre impossible une révolution sur le modèle qu'on pourra avoir en 1917 en Russie. Con questo tema poi ritorna anche in altri lavori di Piero Melograni, e si, come dire, va a sfociare in una tesi che è poi forse quella centrale di tutta l'opera di Melograni: la rivoluzione in quanto capovolgimento radicale deciso dall'alto, in quanto forzatura sulla realtà, non è solo dannosa, è anche inutile, anzi è impossibile. La thèse centrale de Melograni est de dire que la révolution qui brusque la réalité n'est pas simplement quelque chose de nuisible, mais c'est impossible, c'est inutile. Le uniche rivoluzioni vere sono quelle che maturano nella società, cito sempre, riassumendo le conclusioni di Melograni, sono quelle sì che appunto nascono spontaneamente, e sono quelle che, per citare un altro titolo di un altro libro, sono le rivoluzioni del benessere, per esempio. E le seule révolutions qui ont un sens sont les révolutions qui naissent de la société elle-même, et pour citer un autre, qui naissent spontanément, et pour citer un autre libro, c'est les révolutions, par exemple, du bien-être. Ecco, tesi come queste, che io ho detto in forma molto schematica e forse non rendendo giustizia alla loro complessità, non erano fatte per trovare grandi consensi nell'anno 1969 e negli anni successivi. Alors, des thèses comme celle-là, che j'ai rendu évidemment de manière un peu schématique et qui ne rend peut-être pas justice à leur complexité, évidemment à l'époque ne trouvaient pas beaucoup d'écho dans le climat de la fin des années 60 et des années 70. La tesi centrale, quella della frattura fra contadini e operai, fu rifiutata con sdegno. Addirittura uno storico, uno dei maggiori storici militari italiani, ha parlato di un astioso mito antiproletario. Astioso e rancuniero, chissà perché doveva essere astioso. Comunque, insomma, questo per dire che certe cose che a noi sembrano abbastanza normali, e in quel clima non venivano recepite, forse si poteva dire naturalmente, non venivano recepite. Donc cette thèse centrale de la division et de l'opposition entre paysans et ouvriers a été accueillie avec beaucoup de dédain, et on a même parlé d'un mythe anti-prolétaire rancunier. C'était certaines choses qui aujourd'hui paraissent évidentes ne pouvaient pas être reçues à l'époque. Ecco, anche successivamente, quando poi il dibattito storiografico è diventato meno aspro, quando molti temi proposti da Melograni sono stati poi ripresi e trattati ampiamente, come dicevo prima, non sempre si è reso merito appunto a questo lavoro
che secondo me era stato aperto, diciamo così, una serie di filoni di ricerca e di riflessione. Et donc même après, quand le débat historiographique est devenu moins âpre et qu'ils se sont ouverts évidemment d'autres champs historiographiques, d'autres thèmes, d'autres débats, on n'a pas toujours rendu justice, comme je le disais précédemment, à Pietro Mello Parani, qui a été souvent le premier à ouvrir ces thèmes. Sì, invece sarebbe stato giusto ricordarlo, perché Mello Parani aveva scelto in anticipo un approccio che secondo me poi, a prescindere dalle singole tesi, è un approccio corretto. Se noi vogliamo capire la Grande Guerra, non possiamo continuare a pensarla come un grande crimine. In parte lo fu, probabilmente. Perché i primi a non volerla considerare come un grande crimine erano proprio le vittime, in questo senso, perché qui si parla del punto di vista delle vittime, dei soldati che andavano a morire. I reduci di guerra non volevano essere considerati delle vittime, volevano essere considerati piuttosto degli eroi. Allora, se noi continuiamo a parlare della Grande Guerra solo nei termini appunto della carneficina, del crimine di massa, ci diventa più difficile poi capire che cosa è stata nella storia d'Italia. Alors, il est juste de rappeler que dans son approche, il a amené à comprendre la Grande Guerre d'une manière différente, pas simplement comme un grand crime, bien sûr, elle a été un grand crime, mais il faut voir que ça, c'est quand on en parle comme ça, on le voit du point de vue des victimes, et les anciens combattants de la Première Guerre mondiale refusaient très souvent de se voir comme des victimes, ils se voyaient plutôt comme des héros de la Grande Guerre. Et donc il faut essayer de comprendre d'une manière un peu plus complexe, si on veut véritablement le comprendre, quelle importance la Grande Guerre a eu dans l'histoire d'Italie. Ecco, se oggi, e qui concludo davvero, è possibile parlare della Grande Guerra senza censure, senza pregiudizi ideologici, senza essere accusati di offendere la sacralità della patria o la sacralità del proletariato, bene, noi lo dobbiamo anche al lavoro in parte solitario e in parte sconosciuto che Piero Mello Grani ha intrapreso e realizzato circa 50 anni fa. Grazie. Sans censure, sans préjugés idéologiques, sans toucher à la sacralité de la patrie d'un côté ou à la sacralité du prolétariat aujourd'hui, nous le devons à l'œuvre de Pietro Mello Parani qui a été écrit il y a 50 ans. Là maintenant, je m'adresse à Marianne Matin-Bonucci pour avoir le point de vue de l'historiographie française, disons. Enfin, quel est le regard qu'on peut porter aujourd'hui sur le travail de Pietro Mello Parani et surtout, notamment sur ce livre Storia politica della Grande Guerra? Bien, alors autant dire tout de suite que je partage vraiment à 95%, je dis 95% pour ne pas dire 100%, le jugement donc de Monsieur Savatucci. Je n'ai hélas pas connu Piero Mello Parani. Pour moi, quand j'avais fait ma thèse il y a un certain temps déjà, c'était un auteur de référence. Je l'avais d'abord connu pour son livre sur Mussolini et les industriels, enfin le fascisme et les industriels, également pour la fameuse Italista dont on a parlé. Lorsque Fabio Gambaro m'a demandé donc de participer à cette présentation, je lui ai dit que je n'étais pas spécialiste de la Grande Guerre, ce qui est vrai, même si je me suis intéressée, parce qu'il est impossible quand on travaille sur le fascisme de ne pas commencer par la Grande Guerre. Mais du coup, ça m'a donné l'occasion de me replonger dans ce livre. Et je dois dire qu'il est effectivement, on dit parfois que certaines choses n'ont pas vieilli, c'est pas qu'il n'a pas vieilli, c'est qu'il est d'une modernité incroyable. Et donc je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais je voudrais quand même souligner quelques thèmes qui prennent effectivement, comment dirais-je, une dimension d'actualité en regard de l'historiographie française de la Grande Guerre qui s'est beaucoup renouvelée ces dernières années. Je vous dirai comment. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis très touchée par cette exposition, parce qu'en général les historiens ont plutôt tendance à faire l'histoire des autres, et donc c'est une exposition consacrée à un historien et sur le travail d'un historien et sur la manière dont on écrit un livre quand on est historien, et je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup comme ça, et donc je regrette qu'il n'y ait pas peut-être quelques panneaux
qui soit un peu plus pédagogique pour expliquer précisément, si vous le montrez à un jeune public, comment on fait l'histoire, comment on croise les sources, parce que là on voit bien qu'il y a différents types de sources. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle initiative. Alors, je disais, ce livre, en effet, 69, donc c'est un livre, il est présenté dans les articles d'historiographie de la Grande Guerre, et je vous renvoie particulièrement, pour ceux d'entre vous qui lisent français, un article qui est paru il y a 2 ans dans la revue du Centre d'Histoire de Sciences Po, de Marco Mondini, sur justement l'historiographie italienne de la Grande Guerre, où on constate exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire la difficulté à classer Piero Melograni dans... alors, le livre est présenté comme le premier livre de synthèse, effectivement, et de recherche, parce que c'est aussi un livre de recherche consacré à la Grande Guerre, mais on sent que l'auteur a du mal, effectivement, à le situer. Alors, ce qui est dit et qui est juste, c'est que d'un point de vue générationnel, c'est l'un des premiers historiens à faire ce type d'histoire qui lui-même n'a pas combattu, hein, parce qu'il faut se souvenir que les premières histoires de la Grande Guerre, y compris en France, pensons à Renouvin, ont été faites par des acteurs de la guerre. Et là, on a le point de vue donc de la génération, effectivement, d'après. Alors, le contexte, vous en avez déjà parlé, donc je n'y reviens pas. En revanche, je me suis interrogée, effectivement, sur l'histoire politique, en me disant ce que vous avez remarqué, c'est que ce n'est pas qu'une histoire politique, c'est une histoire totale, pratiquement, de la Grande Guerre, avec peut-être, bon, pas tellement d'économie, même s'il en est aussi question, mais en revanche, il y a des aspects sur lesquels, de manière générale, les historiens vont travailler après, et plus particulièrement sur la guerre, qu'il prend en compte, comme l'histoire des mentalités, l'histoire des représentations, l'histoire du religieux, dont il souligne l'importance, effectivement, dans la guerre, et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a vraiment plus que des intuitions, parce que c'est étayé, effectivement, par une documentation. Et donc, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressée, c'est ça, c'est qu'il va, bon, bien sûr, au-delà des premières reconstructions de la guerre qui étaient des reconstructions essentiellement, qui étaient très utiles d'un point de vue actuel, qui étaient ce qu'on appellerait de l'histoire positiviste, c'est-à-dire une histoire qui reconstitue les faits, et en particulier les faits militaires, donc. Mais cette première histoire, pardon, était aussi une histoire patriotique qui soulignait le mérite, finalement, de la guerre, qui avait permis à l'Italie d'achever le Risorgimento, et qui était aussi une guerre juste parce qu'elle s'était faite contre les empires centraux, donc c'était une guerre pratiquement qui avait été faite au nom du libéralisme. Bon, ces thèses-là, on ne les retrouve pas vraiment, je veux dire, comme vous le disiez, en effet, ce n'est pas un livre à thèse, mais c'est un livre qui pratique l'histoire problème, c'est-à-dire qui questionne la réalité historique, hein, qui pratique l'histoire problème comme les historiens des annales, donc en l'occurrence, le préconisaient. Donc du coup, j'en viens, pardon, je ne perds pas le fil de ce que je voulais dire, le politique, à mon avis, le politique, il faut l'interpréter au sens de 68, je pense comme vous que l'éditeur a dû mettre politique pour que les gens se disent « Ah, ça ne va pas être de l'histoire bataille, justement, certainement », mais je crois qu'il faut l'entendre comme on entendait en 68, politique, c'est-à-dire, voilà, tout est politique, hein, tout est politique, et si on dit histoire politique de la Grande Guerre, effectivement, on prend en compte tous les aspects. Alors, parmi les choses très intéressantes, c'est pas une histoire des généraux non plus, hein, c'est une histoire aussi des soldats. Il essaye de se mettre dans la peau des soldats, et ça, c'est quand même très nouveau, hein, pour l'époque aussi. Bon, on peut savoir ce qui se passait dans les tranchées, parce qu'il y a eu déjà des témoignages qui ont été publiés, mais là, il y a une volonté de voir aussi la guerre d'en bas, qui est tout à fait intéressant. Et parmi les choses très intéressantes, vous l'avez rappelé, il parle de la dépersonnalisation du soldat, c'est-à-dire de cette espèce de, comment dirais-je, de lavage de cerveau
que produit la guerre et que produit la violence, à mesure que les hommes restent au front et qu'il y a une forme d'anesthésie, hein, pratiquement, des sentiments, de la raison quelquefois, et ça c'est très très bien expliqué. Et ce qui est aussi tout à fait intéressant, me semble-t-il, c'est qu'il parle de ce qui n'est pas encore un concept, mais qui est devenu un concept depuis une quinzaine d'années dans l'historiographie, dans le sillage de Mossé, hein, de George Lachman Mossé, c'est-à-dire de cet effet de brutalisation que produit la Grande Guerre. Il y a un tel seuil de violence, il y a un tel emploi de la violence, qu'au bout d'un moment, ça produit des effets de saturation, de banalisation, et il y a comme une forme d'anesthésie. Et ça, c'est très important pour comprendre ce qui va se passer après, hein. C'est l'une des thèses de Mossé, c'est que reste dans les sociétés européennes ensuite ce qu'il appelle la culture de guerre, et qui effectivement permet de comprendre l'avènement des régimes totalitaires. Alors, j'aurais voulu vous lire un passage qui est tout à fait intéressant, de quelqu'un qui explique ce processus, hein, de brutalisation. Un sous-lieutenant de Carrare qui écrit au Corriere della Sera. Io non so più che diavolo subentri nei cuori, ma è certo che si è di una durezza speciale. Vedi cadere colpiti per non rialzarsi più soldati e colleghi, e vedi altri balzare in piedi per scendere giù, agitando le braccia ferite, opprimersi un fianco o l'addome in mille posture di persone straziate, e te ne rimani lì, tranquillo, con solo un senso di noia per tutto quel frastuono, per tutto quel turbinio, e ti scappa come detto verso gli avversari, e smettetela un po', noiosi. Se ripenso alla mia sensibilità di quando ero borghese, non so come capacitarmi del mutamento. Il y a justement cette compréhension de cet effet que produit la guerre qui, au fond, habitue les gens à la violence. Et du coup, on comprend beaucoup mieux comment la violence politique, après, se déploie en Italie et dans d'autres pays belligérants. Alors, ça, c'est un point très important. Il y a un autre point important qui porte sur l'opinion. Il y a des interrogations qui sont posées dans ce livre sur l'opinion, sur l'état d'esprit des gens au moment de l'entrée en guerre, et on voit bien aussi, ça il explique à plusieurs reprises, que passé le moment d'exaltation, puisque je dirais en Italie, ça c'est une différence par rapport à la France, il y a une guerre avant la guerre, qui est la guerre pour l'entrée en guerre, hein, qui est l'interventionnisme. En France, il n'y a pas eu cela, et on sait à quel point l'interventionnisme joue un rôle fondamental dans l'avènement du fascisme, précisément, et y compris de l'idéologie donc fasciste. Alors il s'interroge sur l'état d'esprit des gens, et il a l'air de dire, et quelques années plus tard, Jean-Jacques Becker, qui est un des premiers grands historiens de la Grande Guerre en France, arrivera à peu près aux mêmes conclusions, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu ce moment d'enthousiasme de courte durée. La propagande a beaucoup représenté les soldats partant la fleur au fusil, hein, c'est l'image qu'on employait en France, et bien vite, quand ils sont confrontés à la réalité de la guerre, guerre qui dure, eh bien, ils déchantent, évidemment, et il explique bien comment même les interventionnistes, eh bien, commencent à se dire, bah, finalement, la guerre, c'est pas si formidable que ça. Et il cite ce fameux passage, genre, je ne sais plus qui le rapporte, où Mussolini rencontre l'une de ses connaissances, un militant qui vient du syndicalisme révolutionnaire, et qui dit à Mussolini, « Ah, Corridoni est mort, très content, justement. » Donc Mussolini ne dit rien, alors qu'après, bon, comme vous savez, ça va devenir un des héros du fascisme par une entreprise de récupération, en grande partie d'ailleurs. Donc, on a ce retournement, effectivement, de l'opinion. On voit cette lassitude qui s'installe, et la question qu'il pose, et ça c'est une question cruciale, et ça a été à l'origine d'une guerre historiographique en France pour le coup, c'est comment ils tiennent, comment ces hommes, dans des conditions aussi difficiles, tiennent et continuent à monter au combat,
à participer aux assauts, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la guerre franco-française qu'il y a eu à propos de la guerre, mais c'est une des plus grandes controverses. Hein. Curieusement, les plus grandes controverses qu'on a eues en France, c'est plus à propos de la Grande Guerre qu'à propos de la Seconde Guerre mondiale. Alors, une des raisons qu'il donne, et là, les historiens en ont donné d'autres, lui dit, en fait, qu'il tient le coup parce qu'il pense toujours que ça va s'arrêter, ça ne s'arrête jamais. Mais ils ont toujours le sentiment que, bon, on va dans une guerre courte, c'est le cas au début, et puis il y a toujours des espoirs de paix. Certains historiens français ont beaucoup insisté sur la foi patriotique aussi, sur la religion. Alors, effectivement, ils parlent de la religion, hein, ça c'est très intéressant. Il parle aussi des superstitions des soldats, et ça c'est tout à fait novateur dans, je dirais, comme préoccupation des historiens. Et on sait à quel point les soldats étaient effectivement superstitieux. Vous savez peut-être, alors je ne sais pas si ça existait en Italie, mais en France en tout cas, pendant la Grande Guerre, on avait inventé la plaque d'identification que les soldats mettaient donc autour du poignet, qui était une plaque en laiton. Ce qui fait que quand le soldat était tué, vous voyez, c'était une plaque avec deux parties, le numéro donc, du soldat, et il y avait des petits trous entre les deux parties, de façon à ce qu'on puisse casser la plaque si le soldat était mort, garder, donc l'officier gardait une partie de la plaque, et l'autre restait sur le corps, ce qui permettrait, le moment venu, l'identification des corps. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a beaucoup de soldats qui ne mettaient pas le bracelet en question par superstition, justement en se disant « si je le mets, je risque d'être tué ». Résultat, parfois ils étaient tués et on ne pouvait même plus reconnaître le corps. Bon, et donc, des superstitions de ce type-là, il y en a eu évidemment beaucoup, et Melograni s'intéresse effectivement à ça. Voilà, alors je ne vais pas répéter ce qu'a dit mon monsieur donc Sabatucci, mais il y a des interrogations sur l'opinion, sur ce qu'on va appeler le bourrage de crâne également, sur les conséquences sociales de la guerre. Hein, donc il y a aussi des interrogations de ce point de vue-là qui sont tout à fait fondamentales. Donc pour conclure, puisqu'on m'a demandé d'être brève, c'est vrai que je suis sidérée que ça n'ait pas été traduit en français, et en effet c'est absurde. S'il y a dans la salle des gens qui, à leurs heures perdues, ont envie de traduire le livre et qui ont des talents de traducteur, je peux m'engager à trouver un éditeur très facilement. À Grenoble, par exemple, il y a des éditions universitaires dont je suis sûre qu'ils le traduiraient, à l'École normale supérieure, et on pourrait demander à des historiens comme Annette Becker ou Stéphane Audouin-Rousseau, donc qui sont ces historiens de la Grande Guerre qui ont en partie renouvelé le débat, ou peut-être à M. Sabatucci aussi, de faire une postface. Et à l'ambassade, contribution à la traduction. Et je pense que ce serait une belle chose, vraiment, parce qu'il n'y a rien là-dessus. Voilà, je vous remercie.